Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 6. Ok. On se retrouve pour l'épisode 6 des planètes du ciel. Alors voilà, évidemment il pleut. Ça fait quoi? Il y a 5 minutes, j'ai déjà. Bon. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au problème de la bouffe, qui devient vraiment urgent. Alors, comme j'avais. Voilà, j'avais ces trois graines là. Je pense qu'on va commencer par planter des pastèques. C'est ce qui me semble le plus. Tiens, on va peut-être faire un double coffre d'ailleurs. C'est ce qui me semble le plus rapide dans un premier temps. Du coup, il va falloir qu'on aille récupérer de la terre. Alors, j'ai déjà un bloc de terre ici, mais il m'en faut plusieurs. Donc, il y en avait là-bas, juste sous le villageois. On va vraiment faire attention. Alors oui, ici j'avais mis des demi-dalles, mais de toute façon on va éclairer, ce sera mieux. D'ailleurs, juste avant, je vais retourner. Car c'est vraiment chiant, je peux plus courir du coup maintenant. On va aller rechercher le. Parce que oui, le charbon, parce que j'avais fait cuire du charbon. Hop, on va faire quelques torches. Voilà, afin de pouvoir éclairer. Et j'ai toujours vu aucun mob, hein. C'est vraiment embêtant cette histoire. Je vais le chronomètre tout de suite, tiens. Hop, voilà. C'est vraiment embêtant. On fasse attention. Oula, on fasse attention surtout parce que. Donc ça c'était le coffre. Oui, évidemment, j'ai mis de la demi-dalle ici aussi. Je peux casser. Faut surtout pas qu'il tombe, le villageois. En plus, sinon, j'ai pas les trucs en tête, les échanges. Donc là, je pourrais plus rien récupérer. Mais là, a priori, c'est bon. Il est sur le bloc. On va faire très très gaffe. Hop. J'ai mal foutu le bloc. Voilà. Ici. Bon, on va commencer par récupérer dans les coins. Ah oui, par ailleurs. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais au début, il y avait un bloc de gravier. Ici, à l'emplacement du villageois. Juste sur le coffre. J'avais oublié de le prendre et il a disparu depuis. Du coup, je pense que je vais devoir me le redonner. Parce que c'est un bloc de gravier qui servira bah, notamment pour les flèches, je crois, ou ce genre de choses. Donc je serai obligé à un moment ou à un autre de me le redonner. Hein. Bon, dans le coffre, il n'y a plus rien, d'ailleurs, on va le récupérer. Hop. Bon, ici, un bloc de terre. Est-ce que... Où est le villageois? Non, c'est bon, je peux prendre le bloc. Bon, de toute façon, au pire, il tomberait là, mais... Hop. C'est vraiment scabreux comme situation. Voilà, bah j'ai récupéré tous les blocs de terre que je pouvais. Je vais quand même reboucher ici. J'ai récupéré tous les blocs que je... Oh merde, que je pouvais. De toute façon, en dessous, je pense qu'on reviendra pas. Je vais juste mettre une torche. Hop, voilà. Ouh là là, que je tombe pas. Je pense que je vais bientôt faire des barrières de sécurité aussi parce que si je tombe... Voilà. Donc pour rappel, alors oui l'herbe j'en aurais besoin. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'en produire? Je crois pas. Hein. Mais de toute façon là on va s'occuper de l'agriculture pour l'instant. Donc on a combien de blocs de terre en tout? 5. Je vais en consacrer, je vais faire un seul plan de pastèque pour l'instant. Bah, de toute façon, j'ai qu'une seule graine, donc c'est réglé. On va faire un seul plan de pastèque. Sur l'agriculture, je pense qu'on va se mettre dans le coin là, oui. Autant être assez près du villageois, hein, comme c'est là qu'il y aura les échanges. Alors, on va se refaire des dalles. Hop.
Alors, la pastèque, j'ai quand même besoin de deux blocs de terre. Il y en a un où sera planté la graine, et l'autre pour faire pousser la pastèque, hein, parce que les pastèques ne poussent, de même que les citrouilles, je crois, ne poussent que sur de la terre. C'est ce qu'on avait constaté sur Skygrid, pour ceux qui auraient vu. Donc, on va se mettre. On va pas se compliquer la vie, je pense qu'on va se mettre en hauteur, en fait. Alors là, on était sur une couche haute, ouais, donc. Hop. De façon, un seul plan, ça va être vite réglé, hein. Donc, il y aura le plan. Là, oui. L'endroit où poussera la pastèque. Mais au bout, faut mettre un bloc d'eau. Voilà. Donc on va encore être obligé de prolonger. Voilà. Une bêche aussi, forcément. Ouais, et les trois autres blocs de terre, je vais sûrement les... Ah oui, bah, j'avais pas encore eu cet objectif, forcément. Ouais, on va mettre l'eau là. Voilà. Et on va planter la pastèque. Bon, on est... Ah oui, c'est en plus c'est vrai que... Il faut attendre que ça, déjà, ça pousse. Alors, oui, je disais les trois autres blocs de terre, je vais sûrement les utiliser pour faire de l'herbe. Mais il faudrait de la poudre d'os. Il n'y a aucun mob là-bas. Hein. C'est quand même fou. J'ai rien qui apparaît là. Ah merde. Ah mais si, il y a des mobs. Ils peuvent pas tomber, d'accord. Bon, on va aller résoudre ce problème tout de suite. Ouais, bah pourtant je croyais que vu la fine couche d'eau qui restait, ils pourraient tomber. Bon, tant pis, on va aller régler le problème. Du coup, ce que je vais faire à la place, c'est que... Oui, j'ai oublié de faire ça. On va creuser au bout des canaux. Ouais, on va déplacer les panneaux, ouais, d'accord. Mais du coup, il me faut 8 panneaux. Très bien, on va aller s'occuper de ça tout de suite. Bon, je vais quand même prendre toutes les pousses parce qu'on n'en a pas non plus énormément. Ça va tomber. De toute façon, des pousses, on pourra aussi en racheter là-bas. Donc ouais, il y a des mobs, mais moi je pensais qu'ils tomberaient, parce que nous on tombe hein, quand on est dans une petite couche, enfin une petite lame d'eau, comme ça, on tient pas. Hein. Enfin bon. Donc, on va peut-être... ouais, bon, ça sent de la cobble, j'en ai assez. Alors, est-ce qu'il me restait des panneaux? On va plutôt en faire tout de suite. Façon, on va pouvoir récupérer ceux qui sont là-bas déjà. Hop. Bon, c'est pas tout, mais il faut qu'on remonte. Alors, pour... Ouais, on va refaire ça, d'ailleurs. Pour remonter, on va en profiter, en fait, tout simplement pour casser la colonne, tiens. Ce sera l'occasion de le faire. Bon, ça, on emmène le bois avec nous, donc c'est bon, on peut y aller. Oh, il a la terre, je vais te laisser là. Hop. Puis la hache aussi. Bon, allez, évidemment, il fait nuit. Oh, de toute façon, ça change pas grand-chose. Donc, d'accord, bah c'est bon à savoir, ça. Bon, cela dit, je préfère que ce soit ça, plutôt qu'un autre problème, qui serait que les mobs n'apparaîtraient pas sur les dalles, même en position haute. Mais ça, c'est depuis longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'ils apparaissent, hein. Mais je crois qu'il y a une époque où même les dalles en position haute, les mobs n'apparaissaient pas. Mais bon, ça s'est corrigé depuis longtemps. Ah oui, puis merde, c'est vrai. Bah du coup, on va être obligé. Alors pour pas se faire avoir comme la dernière fois, parce qu'on va faire ça parce que.
Bah ici en bas on peut mettre. Oui, de toute façon c'est du. On va mettre des torches ici, ce sera plus sympa. Bon, peut-être pas partout, mais deux au moins. Voilà. Mais ça change rien, hein. Là les mobs ne peuvent pas apparaître. Oh ma pioche, non c'est bon, j'en ai une autre en réserve. Hop. Et puis après, pour la suite de l'épisode, bah, ce serait bien qu'on ait de la poudre d'os. Qui va beaucoup nous servir à cette aventure. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire une tour à mob dès le début. Hein. Ouais, voilà, j'entends des mobs, donc c'est bon, les mobs apparaissent. Donc ça maintenant c'est plus j'ai plus de doute là-dessus. Voilà, donc on va juste refaire une colonne. Ouais, enfin du coup oui, je refais une autre, ouais, donc, bon. Oh putain! Et qui c'est qui me touche là? Ah non, c'est la. Merde, c'est la bouffe. Bon. Mais je suis en facile, donc ça va, je devrais rester à 5 heures. Peur. Juste quand je suis là en plus. Ça c'est bon, je peux enlever le bloc. Hop. Bon, puis je vais pas me mettre en paisible tout de suite parce que. Alors, ah il est par contre. Oh putain. Ah, il va falloir opérer tout en étant en. Putain. Tout en étant en. À 5 heures. Ah bah oui, d'accord. Oh putain. Ça par contre le creeper. Bon, vous savez quoi, on va faire ça en paisible, on va pas s'embêter. Parce que... Merde, bon, on va faire ça. On va pas s'embêter. Hop. Voilà. Parce que sinon, c'est infaisable, hein, en étant à 5 heures comme ça. Et surtout avec les creepers, il ferait tout péter. Donc on va opérer tranquillement la modification. Ouais, les mobs restaient bien coincés là, hein. Moi, si je vais dedans, je tombe, hein, c'est sûr. Bref. Du coup, bah, on va... Ouais, on va faire ça, oui. Alors, on va... Bah, tiens, on va peut-être couper l'eau, d'ailleurs. Ouais, quoique, non. Si je peux couper l'eau, le temps de le faire, ça sera plus pratique. Hop. Oh, juste assez de blocs. On va récupérer les... On va essayer de les récupérer. Bah, tiens, on va mettre des dalles, d'ailleurs, pour les récupérer. Au moins deux. Sinon, j'aurai pas assez. Tout récupérer tant qu'à faire. Ah bah merde, je récupère pas mes blocs là. Voilà, bon, c'est pas grave. Et donc maintenant, on va enlever ces blocs là. Je vais essayer de les récupérer quand même. Ouais, de toute façon, il y a, oui, il y a d'autres en dessous. On va laisser bloc. Oui, mais... Ah, merde. Et en fait, ça va faire que déplacer le problème. Ah, merde, mais il y a mes colonnes là. Oh, putain. Oh, s'il faut que je déplace les colonnes. Non, est-ce qu'il y aurait moyen de faire couler, peut-être, plutôt? Ah. Oh, putain, il y a les colonnes. Bon. Si, il faudrait que je fasse un... Ouais, je fasse en sorte, on va faire des tests. Faut que je fasse en sorte... qu'on tombe quand même. Oh, du coup j'espère oui ça va me niquer les non peut-être pas en fait les torches ouais est-ce qu'il faudrait pas ah oh, putain pourquoi j'ai fait ces colonnes là aussi là Non, parce que si je mets des panneaux là, bah oui, mais je pourrais pas faire des quatre côtés.
Ah, ou alors est-ce qu'on pourrait. Du coup, ça reviendrait au truc initial. Bon, il n'y a plus de bloc là. Est-ce qu'on pourrait trouver une feinte? Est-ce que je peux mettre au-dessus là? Non. Là, ce que je craignais. Je peux même pas. Si. Ah si, on peut. Ok, c'est bon. On peut faire un truc comme ça, du coup je vais peut-être me le remettre plus convenablement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Bon, ça au pire, on le récupère en dessous. Hein. Ouais, bah c'est bon. Voilà. Alors, Shift plus clic, ouais, on peut mettre des panneaux en l'air, comme ça, c'est ce que je voulais vérifier. C'est. Ouais. Bon, tant pis dans quel sens ils sont, on s'en moque, hein. Voilà, il ne manque plus qu'un. Voilà, c'est ça que je cherchais à faire. Bon, bah du coup, on va pouvoir remettre l'eau maintenant. Et là, voilà, là, il devrait tomber convenablement cette fois-ci. Bon, bah finalement, on aura passé presque l'épisode à ça. Oui, il nous reste un peu de temps quand même. Mais voilà. Voilà la solution à apporter. Bon. Alors maintenant, du coup, on va pouvoir remettre les mobs. Bon, c'est bon, j'ai pas fait de trou dans la colonne, sinon j'espère. Ouais, non, c'est bon. Bon, allez, voilà. On va tout de suite remettre les mobs. Alors, vous voyez, du coup, ça m'a régénéré ma vie, hein, je me suis remis en paisible. Pour redescendre, on va peut-être pour passer par là, mais du coup je vais encore reperdre des blocs. Donc. J'aime pas perdre des blocs, bêtement. Et voilà, toutes mes pioches foutues. Bon, ça va, j'en ai une. Je vais le recasser là. Allez, hop. Putain, non mais hé hey. Oh. Toute la pluie dans cet épisode. Bon, allez, hop, on rentre, on met les mobs tout de suite, hop, voilà. Bon, du coup, ça a réglé le problème, oula, alors, oui, ici, ouais, voilà, c'est ça, j'avais fait un, ouais. Du coup, bah, ça a réglé temporairement le problème de la bouffe, bon, c'est pas plus mal, de toute façon, ça change pas grand-chose, comme je suis en easy, de rester à 5 heures ou à 10, hein, bon. Comme c'est pas une aventure combat ou ce genre de choses. Donc on va faire très attention à l'arrivée cette fois-ci, pas se refaire avoir comme dans le dernier épisode. N'est-ce pas? Et là, a priori, ça devrait marcher. Hop, voilà. Bon, on va attendre un peu. Alors en attendant, on va commencer notre petit projet agricole. Hop, encore un arbre. Oula, coup des pouces. Alors. Hache. Je crois que j'ai entendu un mob, ouais, au loin peut-être. Ah oui, il faut qu'on aille voir les champignons aussi, tiens. Ici, comme on va souvent courir, on va. Ah oui, ça m'a bien enlevé une torche. Hein. Comme on va souvent courir, ici, on va mettre une barrière de sécurité. Enfin, sinon ça je le ferai hors vidéo. Ah bah voilà, les mobs commencent à tomber et ils meurent bien. Ce qui est une bonne chose. Alors, plus tard, dans un futur très lointain, il faudra que je mette des hoppers, mais pour l'instant. Bon. Voilà, moi ça me fait déjà de la poudre à canon, ça va être bien. Oh bah c'est bon, les mobs arrivent en masse là. Oui, on va courir souvent ici, on va se faire une barrière de sécurité. Ouh là là, ça y est, ça commence à produire les arbres. Bon. Ah, ici, ça commence à pousser aussi. Ce qu'il me faut surtout, c'est de la bonne mie, là, pour l'instant. Bon, le bois, on va en avoir beaucoup. On va pouvoir faire des trucs avec du bois aussi, hein, comme les plateformes et tout. Surtout que c'est quand même plus rapide pour en avoir en grande quantité. Bon, et puis voilà, je pense que je vais mettre fin. Non, on va peut-être...
refaire un petit truc avant. Bon, truc de sécurité, je le mettrai après. Ouais, de la poudre à canon, encore de la poudre à canon, mais pas de... Je vais bientôt pouvoir faire de la TNT. Il faut même plus que le sable, en fait. Mais toujours pas de squelette, tiens. Bon. Ouais, ça va, les mobs arrivent quand même en masse. Mais il faut dire que c'est le seul endroit de la carte où ils peuvent apparaître, hein, donc bon. Hop, bon, pour la chair pourrie me servira peut-être aussi. Je sais plus si des échanges avec. Bon, est-ce que ici les champignons poussent? On va se faire, vous savez avec quoi? On va se faire une petite plateforme en dessous parce qu'on voit jamais. Oh putain. Il faut vraiment faire gaffe ici parce que... Juste un petit truc comme ça, je demande rien de plus. Simplement pour voir... Voilà. Si... Ah oui, les champignons commencent à pousser, ceux-là. Alors pour les récolter, hein, un seau d'eau. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais... Bon. Voilà, la tour à mob fonctionne enfin, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, il reste bah, l'agriculture, quoi. Du coup, on va en refaire dans l'épisode 7. Allez, on retourne là-bas. Ah, ça y est, j'ai déjà plus de bouffe. Oh, là, ça y est, ça commence à venir, là. Voilà, bon, on va finir l'épisode par ça, du coup. La poudre d'os. On va utiliser 3 blocs de terre pour... Bah pour essayer de faire pousser de l'herbe. Et ah oui, mais... Attendez. J'avais un bloc d'herbe. Oui, parce qu'il faut bien que... Ça, c'est bon. Attendez, c'est quoi déjà les échanges, en fait? Parce que pour utiliser la bonne mille, il me faut déjà de l'herbe, en fait, hein. Si je me trompe pas. Oui, il m'en faut 4. Mais si je fais ça... Ouais, voilà, il faut que je commence par ça, en fait, oui. J'ai pas le choix. Et puis, il va falloir que j'attende que l'herbe se répande. Voilà. Alors, surtout, ne pas le perdre. On va se mettre derrière la pastèque. Voilà, donc on va se mettre ici. Bon, de toute façon, les arbres, je pense qu'on en plantera pas plus que 3, hein, c'est pas nécessaire. Voilà. On va se mettre là. Va planter l'herbe ici. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle se répande. De toute façon, là, comme je vais un peu jouer entre les 2 épisodes, hein, ça devrait aller. Et donc, sur ce, je vous retrouve dans l'épisode 7 pour continuer cette petite aventure. Là, on commence vraiment à bien s'installer. Et dans les prochains épisodes, d'ailleurs, on reparlera des objectifs, hein, je pense, même si, bon, pour l'instant, on est encore assez loin de les atteindre. Allez, à plus.